Au cours des dernières années de sa vie, Paramhansa Yogananda parle avec une certaine urgence de grandes difficultés à venir. Il parle aussi de solutions pour y faire face. Il invite notamment ses auditeurs à mettre leurs ressources en commun pour vivre en petite communauté de fraternité mondiale, World Brotherhood Colonies, et vivre selon les principes de la réalisation du soi, adoptant un mode de vie simple et une pensée élevée. Parmi ses disciples, le jeune Donald Walters, qui devient plus tard Swami Kriyananda, entend son appel et y reconnaît une partie importante de sa vocation. Intérieurement guidé par son maître, encouragé par différents saints contemporains tels Mahananda Moyi ou Nim Karoli Baba, Swami Kriyananda fonde de son vivant 8 communautés de par le monde qu'il nomme les communautés Ananda. Les plus grandes d'entre elles produisent leur nourriture elles-mêmes, proposent un système d'éducation qui introduit les principes de la spiritualité à l'école et vivent autour de centres de retraite spirituels, y diffusant les enseignements de la réalisation du soi. Aujourd'hui, ces communautés sont présentes en nombre croissant en Amérique, en Europe et en Asie. Depuis la première vague du Covid, de nombreuses communautés Ananda naissent en ligne un peu partout dans le monde. Au fil des ans, Swami Kriyananda forme une équipe pour assurer le développement et le maintien des communautés Ananda. Asha Nayaswami fait partie de cette équipe. Reconnue pour la qualité et la clarté de sa parole, elle devient, selon le souhait de Swami Kriyananda, l'ambassadrice du mouvement Ananda dans le monde. Au cours de ses tournées ou lors de conférences en ligne, Asha Nayaswami aborde tous les thèmes de la vie spirituelle avec simplicité, humour et intelligence, rendant accessible la richesse de ses enseignements à tous ceux qui en ont soif. Asha Nayaswami sera notre invitée pour le premier grand festival de la réalisation du soi en Provence du 18 au 20 octobre 2024. Ce festival est une invitation à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les enseignements de Yogananda et sur l'art de vivre selon les principes de la réalisation du soi.